Je vous ai pas raconté ça. Pour ceux qui ont suivi, on a reveal l'écurie donc DSH et Tsosomanes, l'écurie Samsung, lors du Vélodrome DSCH, son concert. Et donc, moi, je me pointe le samedi après-midi pour faire des répètes, tu vois. Ils ont fait construire une rampe immense sur la scène et tout pour que la caisse descende. Donc, incroyable, tu vois. Donc, je suis obligé d'être à la hauteur de leur investissement, tu vois, dans le truc. Et donc, bref, on fait les essais. Et en gros, moi, je suis derrière l'écran sur une rampe comme ça qui est en pente. Et en fait, la rampe, elle est pas plate, tu vois. Elle est genre en pente. Ensuite, il y a un trou. Et ensuite, il y a la pente. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'entre ce premier bloc et le reste de la pente, ils mettent, tu sais, deux barres plates, quoi, parallèles aux roues, pour que je puisse, comme quand vous voyez des camions décharger des caisses, quoi, tu vois, ils te mettent deux, entre guillemets, rampes sur lesquelles les roues sont supposées aller. Donc, ils font ça. Au répète, franchement, c'est parallèle aux roues, bim, j'arrive à descendre dessus, nickel, j'arrive sur la scène et tout, parfait, tu vois. Le mec de répète, il me fait, tu veux la refaire? Je dis, non, les gars, je fais un peu le héros. Pas honnête, mais tu sais, je dis, non, les gars, je sais ce que c'est. Je réchauffe un accent américain quand je dis ça. Et je sais ce que c'est. Foncez, les gars, c'est good pour moi. C'était quoi cet accent? Pas du tout accent américain. Qu'est-ce qui m'a pris? À deux doigts d'être cancel, là. À deux doigts d'être cancel. What? Qu'est-ce qui m'a pris, là? C'est anglais bizarre, là. Je pense que. Si? Bon, bref. Viens le jour J! Déjà, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Non, c'est génial ce qui se passe. Déjà, je suis obligé de me lever. Podcast. Et il y a une meuf de la prod qui vient nous chercher dans une voiturette de golf. Moi, un gars de ma sécu et mon manager. Ils viennent nous chercher en voiture de golf, ok? Donc parce qu'on était dans les gradins en train de kiffer. J'ai pas loué, j'ai pas loué. Hop, elle vient, ça tape sur l'épaule, elle dit, c'est le moment, viens, hop, on la suit, on fait tout le tour du vélodrome, on arrive dans un parking, il y a une voiture, c'est ça, regardez, il y a une voiture de golf qui est garée genre dos au mur, ok? Elle est comme ça la voiture, ok? Donc ça c'est le conducteur. Tu vois, elle est garée dos au mur qu'elle a. Donc elle monte comme ça. Allez, montez, on y va, vite, en route! En route! Mais une voiture de golf, c'est pas une grosse voiture, c'est des toutes petites voitures. Donc nous on s'assoit. Elle est là. Non, on s'assoit comme ça, ok? Écoutez-moi bien. On s'assoit comme ça, ok? Elle démarre. Elle presse l'accélérateur de toutes ses forces. Il se passe ça. Frérot, on s'est pris le mur. Ma sécu, mon manager et moi, on s'est pris le mur dans la gueule. Ça, c'est le point de départ. Mais vraiment dans la gueule. Hein. Ça veut dire le... Là, t'as genre, en gros, là, t'as un mini-siège, tu vois, comme ça, ok? Et ici, il y a une espèce de barre de fer. Genre, tu sais, pour se tenir, le truc en fer, comme il s'est pris le mur, il s'est plié comme as, il s'est arrêté à ça de la tête de mon manager. Heureusement, il y a un petit rebord, heureusement, on avait tous posé nos pieds, alors que, tu sais, t'es voûté comme ça dessus, t'es un gobelin, tu vois. J'ai l'anneau. Et on avait mis nos pieds sur le rebord au lieu de les faire pendre. Si on avait fait pendre nos pieds, le rebord de la voiturette, il aurait broyé notre jambe contre le mur, vous voyez? Donc ça, c'est la mise en bouche. Donc la meuf, et en plus elle met un peu de temps à s'en rendre compte, genre vraiment, elle. Ça démarre, elle accélère, ça fait vraiment BAH dans le mur. Et elle, tu sais, elle réagit, hop, et on lui fait Oh, hey! Et elle recule, avance du coup, oh! Elle fait Ah, pardon! Elle avance, elle part direct! Il n'y a pas de Ça va, tout le monde va bien, oh, désolé, désolé, il y a rien. C'est ok. Pouh, elle bombarde. Là, il y a un virage, écoutez-moi bien, elle le prend comme ça. Elle arrive, elle le prend comme ça. Ok, voilà, bah vous voyez la chaise? C'est la voiture de golf qui fait ça. La voiture de golf, c'est grave long. Tu me le bannes celui-là! Tu me le bannes ce chien! Il est banni lui! Et. Il y a le virage, frère? La voiture, elle fait ça. Et elle se remet comme ça. Et moi là, j'ai un flashback. Le podcast qu'on a fait dans cette pièce même avec Hassan et son pote Austin, pour ceux qui l'ont vu, qui est un podcast en anglais. On l'a fait quand ils sont allés à la TwitchCon. C'était quoi leur principale anecdote quand ils sont venus ici? C'est que. Exactement comme moi, quelqu'un est venu les chercher en voiture de golf pour les emmener à la TwitchCon, parce que l'hôtel est collé à la TwitchCon. Et dans un virage, il a fait comme elle. Je crois les Français, dès qu'on a une voiture de golf entre les mains, on pète les plombs, on devient fou. Eux, leur caisse, elle s'est renversée. Lui, il s'est pété une côte et son pote s'est pété deux doigts. C'est bon? Donc voilà, flash forward, hop, on est au vélodrome. Et dans le virage, tu sais, quand je sens mon corps se pencher, je me dis, oh non, pas la côte cassée, mec. Et hop, ça retombe normal. Et là, évidemment, mon manager et la sécu, ils ont fait Oh! Mais ça va pas! Elle s'est calmée.
Donc moi je me dis putain yes mon calvaire est terminé. On arrive derrière la scène dans les backstage, je dis oh yes mon calvaire est terminé, allez y a plus qu'à monter dans cette F4, à l'amener sur scène. Et là c'est que du kiff, trop bien. Je monte dans la voiture, je suis bien, j'attends, tu vois, j'attends 2-3 sons comme ça, j'ai mon oreillette et on me dit ouais c'est bon Lucas ça va être à toi, ok. Donc le signal c'est avant que la voiture, donc souvenez-vous la rampe là comme ça, avant que la voiture descende de la rampe, il y a un nuage de fumée qui est envoyé et ensuite il y a un Tecos comme ça avec son casque, tu sais. Moi, dites-vous que dans la F4, je vois rien. Ça veut dire comme c'est en pente, bah dans une F4, bah tu vois bien, il n'y a que ta tête qui dépasse. Je vois rien. C'est-à-dire que je vois vraiment pas du tout ce qui se passe au pied de la voiture, la rampe, les trucs, je vois rien. Je me fie complètement aux techniciens qui me disent « Avance un peu à droite, ouais, avance, avance. » Donc, full fumée, le Tecos avec son gaz qui d'un coup vient, il me fait... Là, je comprends que c'est mon tour. J'ai quand même 62 QI, c'est énorme. Je lâche le frein, la voiture elle descend, et là, elle fait ça. Elle descend, elle fait... Et donc là, je suis bloqué dans cette putain de F4, avec SCH qui m'attend sur scène, et tous les gens autour qui se disent « Mais que se passe-t-il ? » Et je suis comme as, une roue dans le vide, tu sais. Et là, je repense, je me dis « Putain, mais c'est pas possible, on s'est pris un mur, on a failli se renverser, les répètes, ça s'est passé nickel, et là, putain, la rampe, je la passe pas, quoi. » Et donc, tous les mecs autour... Il voit que la caisse, elle est kéblo, une roue dans le vide, comme ça. Donc, il se rue pour la pousser. Sauf qu'une F4, bah, c'est pas trop par où la prendre. Tu vois, c'est du plastique partout. Faut la prendre par la barre qui est en dessous, en fait. Ou en poussant les pneus. Mais là, c'est pas des gars de la FFSA. Les gens, ils savent pas, tu vois. Donc, ils poussent comme ça partout, la F4. Je me dis, oh, il y a des bras qui vont transpercer la coque. Mon Dieu, on est foutu, tu vois. Par chance, la caisse s'en sort. Mais il y a un mec qui a une idée de merde. Lui, il a vraiment une idée de merde. C'est au lieu d'aller derrière la... Une caisse qui est comme à 100 pentes, hein, comme ça. Au lieu d'aller derrière la caisse et de la pousser, il va devant et il la tire. Mais qu'est-ce qu'il a voulu muscler quoi comme muscle, ce con? Qu'est-ce qu'il a voulu prouver, là? C'est bon, on sait que tu fais ça chez toi. On sait, là, avec l'alter, on l'a tous fait. Mais qu'est-ce que tu vas faire ça à une F4? Donc le mec, il tire, ok? Là, la F4, elle se décoince, donc il fait « Oh la merde !» Moi au volant, je vous rappelle, je suis dans un aqua de fumée, il y a de la fumée partout. Je galère à voir, je suis comme ça, oh, je vois rien. Il y a un mec littéralement qui est presque avachi sur mon capot parce que je suis à deux doigts de l'écraser. C'est bon? Et heureusement, il y a un autre mec qui s'était perdu dans la fumée et qui l'a vu, qui l'a attrapé comme ça et qui l'a genre vraiment, bah, qui l'a projeté comme ça. Ah, il avait 100% de dégâts dans ce match, tu vois. Il a mis hors map et du coup, je l'ai pas fauché, mais le mec... Il était à ça de se faire écraser, frérot. À ça, hein. Et là, vraiment, j'arrive sur scène, il y a un mec sur le capot, tout le monde tape une barre, l'annonce, elle est morte, tu vois. Donc, tout ça s'est passé en 30 secondes. Et c'est pour ça que quand je suis enfin arrivé sur scène, là, dans cette putain d'F4, qu'est-ce que j'étais content, les frérots. Qu'est-ce que j'étais content. Je disais, oh, waouh, c'est bon, il peut plus m'arriver de galère. Et pendant que je me dis ça, je capte que comme la caisse, elle s'est coincée comme ça, un peu sur le côté... Bah, sur la, j'allais dire, la piste. Quand j'arrive sur la rampe, en fait, je suis complètement à gauche et je manque de me prendre des spots, en fait. Genre, j'ai vraiment dû faire as avec le volant pour la remettre droite, tout en essayant de cacher mon visage, comme ça. Ah non, il faut pas gâcher la surprise. Ah. J'étais en état de choc. Donc, du coup, quand enfin cette putain d'F4 était en place, ah, j'étais tellement heureux. J'étais pas heureux d'enfin reveal l'écurie. J'étais heureux que tout le calvaire que je venais de vivre prenne enfin fin. Dommage, sur cette dernière phrase, ça a gâché toute la vibe. Je vous raconte tout. Donc, jeudi dernier, j'ai trouvé l'homme. Voilà. Voilà l'anecdote. Et ceux qui sont pas contents, cassez-vous, là. Il y a que du jeu vidéo sur Twitch, il y a que ça. Cassez-vous de là. C'est le dernier live, je veux que de la bonne humeur. Je veux que de la bonne humeur, que des subs, des Twitch Prime. Je veux rien d'autre.